question de foi, sont question de choix. N'a pas gardé des croyances véridiques en faveur de Dieu et en faveur de la foi chrétienne. Jusqu'ici, nous voyons que design qui existait dans l'univers, il m'a donc concepteur intelligent, fin réglage qui existait dans l'univers, il m'a donc un accordeur intelligent, information qui code dans cellule ADN monde, il m'a donc un codeur divin, la venue à l'existence de l'univers, il m'a donc créateur divin. On l'autre bagaille tout, le sens de la moralité qui la caille monde, il m'a donc un législateur divin. Parce que la moralité, contrairement à ça que quelqu'un est capable de penser, ce n'est pas une invention humaine. Il y a un peu de monde qui pensait que c'est l'homme qui a inventé la moralité en sorte que pour être capable d'assurer une meilleure protection pour que l'on ne pas déchirer l'autre. Non. Depuis lorsque l'homme existait, l'homme connaît que une série de bagailles qui sont fondamentalement bon, une série de bagailles qui sont fondamentalement pas bon. Toute civilisation connaît que torturer bébé pour prendre plaisir son bagage qui pas bon, son bagage qui mal. Toute civilisation d'accord que viol son bagage qui pas bon. Toute civilisation d'accord que meurtre tuer monde son bagage qui pas bon. Toute civilisation d'accord que voler son bagage qui pas bon, indépendamment de degré de primitivité société ça, indépendamment de degré d'avancement société ça. Toute société est condamnée bagage ça. Parce que l'homme intuitivement, même genre intuitivement, tout le monde connaît 2 plus 2 égale à 4 sans qu'on pas besoin de démontrer. Intuitivement, tout le monde connaît que ça a bien, ça a mal. Lorsque Caïn tue Abel, il connaît que le mal. Il n'a pas besoin en loi de Moïse qui te vient dire pas tuer, mais il te connaît le mal lui-même. Parce que nous avons ça dans nous, nous avons dans nous-mêmes la connaissance du bien et la connaissance du mal. C'est ça qui fait l'or fait bien ou sent tout bien dans ou même l'or fait mal que ou cassé. Il y a pile monde qui pense l'or fait mal que ou cassé, c'est parce que c'est Saint-Esprit qui est dans la vie ou pas rien tout monde qui pas connaît bon Dieu, l'or fait mal qu'elle cassé tout. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 2, il dit comme ça que même païen lui même tout, il a une loi comme si qui écrit dans cœur lui qui dit qui ça qui bien, qui ça qui mal, et c'est ça qui fait cœur toujours accuser ou bien défendre tout à tout. Donc lorsque cœur au cassé, c'est pas un indicateur qui dit que vous avez cet esprit dans la vie, ou bien l'autre bagaille qui dit que vous avez cet esprit dans la vie, ou bien les fruits de l'esprit qui dit que vous avez cet esprit dans la vie. Ou c'est ce fruit ça qui dit que l'esprit bon Dieu a vivre dans vous, mais c'est pas cœur cassé leur font bagaille qui mal. Cœur cassé leur font bagaille qui mal parce que dans vous même, dans tout le monde, que mon nan croyant, que mon nan non croyant, mon nan gagné une loi dans morale, li dans conscience li qui dit le fait bien, le fait mal. Il est vrai que gagne monde qui tue loi ça. Il est vrai que y a des gens qui tuent consciencieux, mais quand même, ils ont été faits avec elle. Par le fait que vous avez une loi qui inscrit dans la conscience, qui dit ça qui est bien, qui ça qui est mal, ça veut dire que dans la conscience, ou besoin de législateur, parce que tout côté où il y a une loi, ou besoin de législateur. Et donc, ou même, ou besoin de législateur divin qui est capable d'expliquer pour qui ça l'homme connaît intuitivement qui ça qui est bien. Intuitivement qui ça qui est mal. Il est capable de décider de supprimer connaissance ça. Il est capable de décider pas utiliser connaissance ça de manière pratique, mais ça va lui dire pas connaître. Et c'est ça qu'il est capable d'exprimer des remords. C'est ça qu'il est capable de ressentiment dans que elle font bagaille qui pas bon. Parce que le bon législateur qui mettait une loi dans lui-même une loi morale qui dit ça qui est bien, qui dit ça qui est mal. Et ça c'est une façon que bon Dieu révèle le bon Dieu révélé d'une manière générale dans l'univers, dans la création, parce que la Bible dit dans Romains 1er 19 18 19 20, il dit que perfection invisible bon Dieu est capable voir lorsque on observe création, lorsque on observe l'univers, on voit un design qui demande un concepteur intelligent, lorsque on regarde les réglages qui dans l'univers, ça demande un accordeur intelligent, lorsque on regarde les informations qui dans code ADN l'homme, qui dans cellule ADN monde, ça demande un codeur divin. Lorsque vous regardez l'univers là qui vient créer, ça demande l'existence d'un créateur divin. Parce que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est ça, Salmis l'a dit. Mais Paul dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire dans la création. Où est bon Dieu? Mais bon Dieu pas seulement révélé dans la création.
qui c'est la révélation naturelle de Dieu, mais bon Dieu révélé le tout dans la conscience de l'homme. Et dans la conscience de tout le monde, il y a leur fait bien, leur fait mal. Maintenant, lorsque vous avez information ça dit que bon Dieu existe, mais qui bon Dieu? Est-ce que c'est bon Dieu islam, non? Ou bien est-ce que c'est bon Dieu chrétien? Comme ces deux grandes religions, ça y est, qui monothéisme, le judaïsme monothéiste tout, mais le christianisme sont extension du judaïsme. C'est parce que quelque part, les siens ne l'ont point reçu, c'est parce que les juifs n'ont pas reçu le voile. C'est ça, il dit, la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, étant venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, parce que les juifs, qui dans le judaïsme, ils ont rejeté Jésus-Christ, donc, bon Dieu vient greffer, bon Dieu vient adopter les gentils et qui vient faire partie du peuple de Dieu, qu'on y a au carré l'Église, je dis, qui englobait toutes les nations sur la face de la terre. Et donc, dans ce sens-là, on a besoin de poser cette question. Qui bon Dieu? Est-ce que c'est bon Dieu musulman? Est-ce que c'est bon Dieu chrétien? Parce que le christianisme sont extension du judaïsme, c'est ça que leur parler au doux chrétien ou pratiquer des valeurs judéo-chrétiennes. C'est-à-dire ça que Jésus t'a dit que le pas deviner pour abolir la loi, mais le deviner pour accomplir. C'est-à-dire que la loi en lui-même sont les faites pour pécheurs, mais l'esprit de la loi sont bagaille qui est important pour nous-mêmes. Et c'est ça que Jésus-Christ prend loi pour lui dire comme ça que longtemps était qu'on dit que et pas tuer monde, mais moi-même moi dis de pour railler monde dans cœur c'est tuer ou tuer. Donc Jésus allait dans l'esprit de la loi, il paraît dans la lettre de la loi, car la lettre tue mais l'esprit vivifie, dans l'esprit loi. Et c'est ça que fait tout le monde sont meurtriers devant mon Dieu. Jésus dit que la loi te dit pas commettre adultère, même dit ou toutes les fois garder en personne de sexe opposé ou convoiter dans cœur ou qu'on t'a fait adultère avec elle, avec lui-même. Dans sens ça devant mon Dieu, tout le monde sur la terre est adultère. Et c'est comme ça Jésus-Christ établit. Parce que Jésus-Christ pas mettait sous base action, il mettait sous base intention. Et sous base intention, tout le monde coupable devant mon Dieu. C'est ça que fait auteur a dit, il n'y a point de juste, pas même seul. Donc, Jean la Bible présente, ou rend-nous compte que, effectivement, c'est la Bible dit, c'est ça. La Bible dit que nous pas juste, la Bible dit que nous pas bon, nul n'est bon, Dieu seul est bon, et ça, où est le véridique dans la vie monde? Où est que l'homme dépravé? Où est que l'homme livré à lui-même son malheur lié pour la société? Et je dis à son bagage que vous avez constaté, lorsque la Bible parle de la dépravation de l'humanité, en pile monde a un doute sur bagage ça. Mais lorsque vous faites nouvelle à travers le monde, vous réalisez que l'homme dépravé, vrai, Jean la Bible dit là. Et Esaïe dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. En sorte que pas rien nous t'es capable de faire nous-mêmes pour nous t'es capable de sauver tête nous parce que nous sommes tous comme des impurs. Et l'homme garde action, tout le monde qui est honnête avec elle, on prend nous compte ou impur. On prend nous compte que nous sommes meurtriers. On prend nous compte que nous sommes adultères. On prend nous compte que nous sommes volés. Parce que Jésus dit comme ça que longtemps on t'es compte de pas prendre à faire monde, même dit toutes les fois convoiter à faire un monde. Vous êtes péché par convoitise. Et donc tout le monde péché. Et c'est ça que la Bible dit, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tout le monde qui est honnête dans la vie, on prend compte qu'ils sont pécheurs. Et ça, ce n'est pas le Coran qui dit, c'est la Bible qui dit. Et donc, ça a vérifié la Bible. Donc, lorsque la Bible dit bagay sa yo, et yo conforme à l'expérience humaine, ça a vérifié la Bible. Ça fait que la Bible véridique, parce que ça le dit ou elle conforme avec la réalité, elle conforme avec l'expérience humaine. Contrairement à l'autre livre qui dit son bon bagage que oui. Contrairement à l'autre livre qui dit consacré au cavine bon Dieu tout. Mais la Bible dit exactement Jean oui, des pécheurs perdus sans Dieu. Et que sous pas réalisé au perdu sans mon Dieu, et c'est fait de trois jours à la prière pour. Pour si attitude ou pas même j'ai avec monde qui pas connaît bon Dieu parce que nous sommes tous comme des impurs. Et c'est ça qu'il faut besoin agneau sans tache.
et sans défaut en la personne de Jésus-Christ qui était capable de bailler la ville pour que nous aujourd'hui nous soyons capables de gagner la paix avec Dieu.